Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur GLG Vidéo pour les mini-reviews. Et aujourd'hui, aujourd'hui on va parler de tout, pas tous, mais une grosse partie. Les accessoires pour la caméra Insta360 One R et One RS, puisqu'on verra qu'ils sont intercompatibles. Bah, voir le produit en photo, c'est bien, mais alors en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, petit résumé rapide pour ceux qui auront un peu loupé le train. La caméra Insta360 One RS est une caméra sport, action, tout ça, mais certainement la seule caméra modulable. Ça veut dire que tu vas avoir un module batterie ici, pour la One R, un module 4K directement ici, et on verra même jusqu'à 6K lens pour la version RS, et un module LCD. Voilà. Et ensuite, ce qui permet en fait sur cette caméra, c'est de mettre un module 360 que j'ai là, voilà, par exemple, voilà, tu enlèves le module, tu mets un module 360, ou tu mets par exemple cette nouvelle lentille Leica qui est dessus, ça permet d'avoir une caméra qui est modulable, et la R était pas mal, mais on verra que la RS était encore mieux. Alors, je vous parlerai des accessoires que j'ai achetés et des accessoires qu'on m'a offerts. En fait, encore une fois, je suis en partenariat avec Insta360 pour tester leur caméra. Donc, des fois, on arrive à demander des accessoires avec la livraison. Bon, un des premiers, ça sera évidemment la possibilité de racheter une batterie. Peut-être vous allez en avoir une avec votre caméra, évidemment, mais ça peut être intéressant d'avoir une nouvelle batterie comme ça pour dépannage, parce que vous aurez compris, une fois que vous n'avez plus de batterie, vous déclipsez, hop, vous mettez votre batterie dessus. Donc ça se vend et tout comme ça, 34,99€ sur leur site, c'est plutôt pas mal. Bon, un des accessoires qui est presque indispensable, en fait, encore une fois, ça dépendra. Si tu veux filmer des vidéos et mettre de la musique par-dessus, t'as pas besoin d'adapter un micro. Le micro intégré est pas mal, encore une fois, mais c'est vrai quand il y a du vent ou que t'es un peu loin de la caméra, ça baisse complètement de volume. Donc, ils vous vendent un petit adaptateur, parce que la caméra est en USB type C. Donc, USB type C pour pouvoir recharger la caméra quand tu l'as plugée, oui. Et de l'autre côté, t'auras une prise jack, voilà. Donc après, bon, c'est plutôt classique et c'est quasiment indispensable. Et pour que tu puisses juger la qualité, je t'ai fait deux enregistrements, soit avec la caméra en main libre, soit directement avec le micro-cravate. Je te mettrai tous les liens dans la description. Alors oui, c'est une de mes... C'est pas une de mes caméras, c'est certainement ma caméra préférée et tout. Alors, une des promesses qui est faite par Insta, c'est qu'il n'y a pas besoin de micro, puisque alors, quand il n'y a pas de vent comme ça et qu'on est un peu en intérieur et que tu parles plutôt bien et que tu n'as pas trop loin, encore une fois, là, je suis à bout de bras avec le mini trépied et tout. Donc du coup, là, on va dire qu'à distance, ça va bien. Mais il est clair que l'ajout du micro, comme ça, et en plus, ça se branche à froid, enfin à chaud. Ça se branche plutôt à chaud. Voilà. Ça permet tout de suite, sur la caméra, d'avoir le vue-mètre, d'avoir un peu le niveau d'enregistrement comme ça, et de juger un peu de la qualité. Vous êtes en train de vous dire, oui, ben là, forcément, avec le micro, c'est carrément mieux. Et oui, c'est carrément mieux. Bon, leur coque d'origine, elle est pas mal. Elle est assez sympa, tu vois, elle est livrée comme ça. En plus, tu peux la déclipser, il y a un nouveau système. Toi, t'appuies directement ici, tu peux sortir la caméra et tout. Elle est très pratique, très compacte. Mais alors, le problème, c'est que si, comme moi, vous êtes un peu youtubeur, soit vlogueur, et que vous avez beaucoup d'accessoires, par exemple, que vous dites, ah, mais c'est bien, sur la caméra, je mettrais bien un micro, par exemple, Canon, comme ça, ici. Bah là, sur leur truc, bah, on peut pas. Voilà. Alors, l'intérêt de racheter une coque comme ça, en plus, bah, vous avez vu, ça coûte rien, hein, ça coûte 6 balles. Voilà. C'est que vous allez pouvoir, hop là, directement mettre un micro ici. Et là, sur le côté, vous allez pouvoir mettre éventuellement un flash comme ça. Vous avez toujours l'emplacement pour sortir le micro. Donc, ça permet, vous voyez, de plugger comme ça et de mettre dessus. Alors, elle est beaucoup moins pratique puisque là, pour sortir et enlever la caméra, à chaque fois, vous avez vu, il faut dévisser là et l'ouvrir pour remettre et tout. Mais, c'est pas dire que c'est un must-have, mais voilà, enfin must-have, c'est pour ceux qui parlent pas américain, c'est que vous devez avoir. Mais il est clair que si vous voulez mettre des accessoires par-dessus la caméra, notamment bah là le micro, le micro-cravate, par exemple, tu veux mettre un micro sans fil comme moi ici, bah, le micro sans fil, généralement, il y a une prise, il y a une connectique qui est la même qu'ici, donc tu vas pouvoir la mettre dessus, ok, ça va être bien, mais voilà, sur celle d'origine, il n'y a pas. Donc ça, c'est le truc pas cher, 5,45€, c'est le truc que tu peux t'acheter. Allez, au début des temps, il y avait donc leur première batterie comme ça, qui était une batterie intégrée, qui était pas mal encore une fois, mais ils se sont dit, c'est vrai qu'au niveau de l'autonomie, on peut mieux faire. Donc c'est vrai que sur la R, ça c'est sur la R, sur la RS, la batterie était un peu plus grosse, et on a vu qu'au niveau de l'autonomie, si vous avez vu ma review sur GG Review, ça n'avait rien à voir, c'est-à-dire qu'on gagnait 20-30 minutes de plus, ce qui est beaucoup pour une caméra sport. Ils se sont dit, pour les psychopathes, dont je fais partie, j'ai ma carte, tout ça. Ils ont dit, on va sortir une batterie énorme, ça s'appelle le Boosted Battery Base. Voilà. Donc, ce Boost Battery Base, c'est la même, avec une autonomie démentielle. Encore une fois, tu auras vu, par rapport à la dernière, qui était déjà pas mal, elle fait presque deux fois la taille. Donc, forcément, tu vas gagner en autonomie. Oui, encore une fois, l'intérêt d'avoir une caméra modulable, c'est qu'on clipse après les modules dessus, c'est pas mal. Elle est énorme. Après, comment elle est faite? Alors, elle est faite dans un côté plutôt pratique. Ils se sont dit, voilà, on va mettre les supports dessous.
Voilà. Et après, ça te suffira de visser, par exemple, sur un support comme ça. Voilà. Tu pourras le mettre directement sur un support sport. C'est plutôt pratique. Elle est plutôt bien pensée. Et encore une fois, voilà, là, l'autonomie, elle est démentielle. Alors bon, elle n'est pas donnée, encore une fois, 62,38 €. Celle-là, je l'ai achetée parce que c'est vraiment le truc que je voulais et tout. Bon, bah après, voilà, si vous voulez être vraiment tranquille, tranquille pour l'autonomie, que vous voulez pas acheter une deuxième batterie, préférez en avoir une et une qui tient plus. C'est la meilleure. Et là, t'es en train de te dire, ah mec, comme elle est plus grosse, elle rentre plus dans le boîtier. Bah non, je vais en racheter un autre. Voilà, c'est parti. Alors, celui-là, nous on a trouvé, il est quand même plutôt pas mal. Il est fait pour la batterie Boost et tout. Alors, je sais pas s'ils en ont un livré avec, il me semble pas. Hein. Et moi, je l'ai trouvé sur internet. Je mettrai le lien directement en description. Celui-là est plutôt pas mal, non seulement parce qu'il est beaucoup plus balèze que vous avez vu celui d'origine. Voilà. Donc, il est vraiment fait pour la batterie stand. Et il a vraiment, lui aussi, les supports, voilà, pour pouvoir mettre les accessoires et tout. C'est un produit générique, mais encore une fois, ça fait plutôt bien la blague, n'est-ce pas? Bon, allez, un autre truc plutôt bien, c'est les protections lentilles. Voilà, j'ai trouvé ça directement aussi sur Internet, voilà. C'est des clips que tu vas pouvoir mettre directement dessus. C'est plutôt intéressant, puisque, encore une fois, alors, l'intérêt, vous allez me dire, oui, mais enfin, une fois qu'elle est rayée... Une fois qu'elle est rayée, elle est rayée. C'est déjà le cas avec ma X2. Alors vous pouvez dire, oui, vous pouvez racheter un module, mais vous allez voir que les modules ne sont pas économiques non plus. Vaut mieux acheter un protège-lentille, voilà, que tu pourras mettre directement sur la coque. Hein. En fait, c'est prévu pour, hein, tu vois, pour le clipser directement dessous, comme ça. Et tu as un protège-lentille avant et arrière pour la lentille 360. Ben, ça vaut 25 balles. Oui, mais alors bon, après moi j'ai celle de la lentille 360, c'est la même pour la R, donc j'en avais déjà une. Ils m'ont envoyé deux caméras pour la RS, donc j'en ai encore, ça m'en fait trois. Bon voilà, je peux me dire, oui, j'ai un peu de sécurité, mais le but c'est aussi de sauver un peu la planète, hériter d'acheter et de se dire si on peut juste protéger les lentilles, ça peut être pas mal. Donc si vraiment, si vous filmez en 360, prenez les protections puisque c'est pas réparable, malheureusement. J'ai le cas avec la X2 où la lentille, il y a une lentille qui est cramée et il n'y a rien à faire, voilà, à part racheter une nouvelle caméra. Ce qui n'est pas trop logique, alors qu'il m'avait envoyé les protections, je les aurais collées, on va dire que ça aurait quand même pas mal résolu l'affaire. Bon, t'auras compris le principe, module comme ça, une à côté de l'une, et hop, une à côté de l'autre, et tu mets le truc dessous. Ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas une batterie verticale? En fait, c'est aussi, là, ils ont une nouvelle Insta360 One RS 1 pouce édition. En fait, ils se sont dit, on va prendre une batterie comme ça, donc tu prends ton module que tu as déjà, qui est le module LCD. Donc là, on voit bien, vous voyez, il y a la connectique USB type C. Donc là, tu clipses ta... ton LCD dessus, et après tu prends ta lentille, hein, celle que tu veux, alors toi tu prends la 4K Boost Lens, soit l'ancienne, soit la 360, et tu la clipses dessous. Alors soit tu veux te filmer toi, et dans ce cas, bah, tu mets la lentille vers toi, ok, soit tu veux filmer derrière, et tu mets la lentille derrière, voilà, ça te permet toi de voir sur l'écran ce qui se passe. Et, et oui, j'étais en train de te dire, ça prend tout son sens. Alors, oui et non, ça prend tout son sens, un, parce que ça fait une petite caméra verticale qui est géniale. Alors après, attention, dans les modes 4K ou même la lentille 1 pouce, ça filme en mode portrait. Puisqu'en fait, la lentille, elle est faite pour filmer comme ça. Donc le 1920 par 1080, si tu prends la Full HD, il est comme ça. Si tu mets comme ça, tu te retrouves avec du 1080 par 1920. Ce qui est un format parfait pour faire des TikTok, des vlogs ou pour mettre sur tous les formats un petit peu mobiles. Donc là, c'est trop bien. Bon, par contre, là où ça résout le problème, c'est si tu mets la lentille 360. Après, alors que tu la mets devant ou derrière, on va dire que ça n'a pas trop de problème puisque tu as deux lentilles. Là, l'intérêt, c'est que la caméra filme en 360. Et quand j'ai fait les vidéos en vélo, j'ai pris celle-là plutôt que ma X2 qui était, qui était abîmée. J'ai pris celle-là. Là, tu filmes en 360, en fait, autour de la caméra. Et après, bah, avec le chef de montage, tu peux vraiment faire des vidéos en Full HD là où tu veux. Et ça, c'est vraiment le produit qui est vraiment juste génial. Et trop pratique. On est d'accord. Bon, évidemment, petit bonus, comme tu avais peur que la caméra elle se désolidarise, puisque tu as vu qu'en fait c'est juste clipsé, ils vendent un petit cache en plastique qui n'est pas incroyable, encore une fois, mais qui a déjà le mérite d'exister. Que tu mets comme ça dessus, voilà, tac, ils ont mis les boutons, après tu appuies là-dessus et ça met la caméra en route. Voilà, y a aucun souci, ça fonctionne plutôt bien. Bon, ça permet d'avoir un petit cerclage comme ça et d'avoir une caméra. Il manque un petit bout là qui dépasse, fais voir. C'est quoi hein? Il y a un petit cache derrière, ok. Oui, il y a une espèce de petit cache, j'ai dû la monter à l'envers. C'est quand même le truc qu'il faut juste... Pourquoi il y a un bout de truc là? Ah ouais, d'accord, il y a les crochets, donc il vaut mieux la mettre comme ça. Ils vous disent bien, surtout n'enlevez jamais la caméra pendant qu'elle est en route. faut pas le faire. Moi je le fais parce que je suis un cascadeur, et je suis un professionnel, mais vous ne le faites pas. Voilà, donc là vous voyez, on se retrouve bien avec la caméra comme ça, donc vous voyez, par défaut...
Hop là, là on est bien en mode vertical, ici là on est bien en mode horizontal. La caméra avec le gyroscope, vous voyez, elle gère un peu sa vie, mais ça permet d'avoir une caméra qui tient à la main comme ça. Alors si comme moi vous étiez fan de la X2 et du format, vous dites oui mais alors là le format comme ça, moi ça me plaît pas trop parce que au bout d'une perche ça fait un peu lourd, là on peut se retrouver avec, je veux dire, pour une batterie supplémentaire, à savoir que la batterie elle est plus conséquente que l'autre, avec une caméra en format stick. Bien. Bon, tu l'auras compris, cette caméra est modulaire et ça c'est le truc qui est juste génial. Donc soit tu mets ta caméra, soit tu as l'ancienne et tu as une lentille 4K qui est déjà très très bien, encore une fois, soit tu prends la nouvelle qui a l'intérêt d'avoir une 4K boost lens qui peut monter jusqu'en 6K et qui intègre la stabilisation parce que le processeur est meilleur, donc elle fait la stabilisation automatiquement sur la carte mémoire, pas besoin de passer par un logiciel. Soit tu prends la lentille 360 aussi ici, mais ou alors tu te dis waouh, est-ce qu'on pourrait pas faire encore mieux et avoir une lentille de psychopathe, et c'est un peu le cas. C'est l'Insta360 RS Objectif, c'est la 1 pouce édition, voilà. Donc en fait, ils ont fait un partenariat avec Leica, et on voit bien, c'est marqué ici. On a une lentille qui se dévisse, c'est-à-dire que tu vas pouvoir changer le filtre. J'ai vu qu'ils ont des filtres ND hein, pour ça, alors j'ai pas encore eu. Hein. Si Insta regarde ces vidéos et qu'ils veulent m'en envoyer, avec plaisir. J'accepte tous les cadeaux avec plaisir. Voilà, donc là, on se retrouve avec une lentille de 1 pouce, voilà. Donc beaucoup plus que notre 4K Boost Lens, vous voyez qui est ici. Voilà, on a un meilleur capteur, meilleure stabilisation. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo pour comparer un peu les deux. Je ferai à mon avis une vidéo beaucoup plus longue pour WTS où on comparera les deux caméras en 4K 60fps, c'est rien d'aller en 6K ou en 5,7K. On fera une 4K 60fps avec la lentille classique et avec la lentille Leica dans plusieurs configurations, le jour, la nuit, faible luminosité, voilà. J'essaierai de prendre la caméra pendant quelques jours et on essaiera de faire tous les plans un peu différents. Et là, on verra bien la qualité au-delà de la vidéo que tu es en train de voir maintenant. Et encore une fois, une des nouvelles promesses faites par Insta360, c'est cette lentille 1 pouce de Leica. Alors, pour que vous puissiez vraiment juger, je vais vous mettre vraiment les deux caméras l'une en dessous de l'autre. Là, on aura vraiment la Leica, qui est un peu sale d'ailleurs, voilà. Et en bas, on aura la 4K Boost. Les deux, on enregistre en 4K 60fps et tout. Ça permettra de juger. En théorie, la lentille Leica a un capteur d'un pouce, donc plus de lumière et tout. Et là où ça va jouer, ça va être en faible luminosité. Mais je vous cache pas que pour WTS, il y aura bientôt une vidéo où on va vraiment comparer les deux dans diverses situations et tout à chaque fois pour que vous puissiez vraiment juger de la qualité et justifier un peu le prix de tout ça. Voilà. Tu me diras, là en plus j'ai micro-cravate, tout est bien. Bon, je suis en train de te dire, tu es en train de dire, ouh, le petit format stick me plaît beaucoup, ça permet, je veux dire, pour juste 60 balles le coût de la batterie et du cerclage, d'avoir une autre, enfin, c'est la même caméra, mais c'est une autre caméra, c'est-à-dire que c'est vraiment format stick. Alors, tu es en train de te dire, oui, mais je veux mettre quoi au bout? Alors, en fait, ils ont plusieurs perches. Alors, on a soit la petite comme ça, qui est la perche classique, ce qui fait déjà un beau bébé, hein, tu vois, hop là, je vais mettre comme ça, voilà. Ici, ça fait déjà une belle perche, voilà. Donc tu mets ta perche comme ça et tout, tu peux la visser directement, hop, là, on va mettre là, on peut la visser dessous. Après moi, vous voyez, j'ai un petit support que, je sais pas s'ils les vendent, mais bon, ça va pas être dingo. Voilà, on met la caméra comme ça, elle est sur son trépied, après on peut la monter, la descendre et tout. C'est juste génial, et encore une fois, l'intérêt des caméras 360, comme elles filment deux lentilles à l'avant, à l'arrière, le logiciel fait que il déborde un petit peu et il enlève la perche. Si vous avez vu ma vidéo à moto, les rendus sont juste exceptionnels. C'est-à-dire, ça enlève, tu mets ta forme et tout, et on verra. J'avais pas vu sur le logiciel qu'on peut enlever l'effet fish eyes et tout. On a vraiment un produit qui est vraiment d'enfer. Donc ça, c'est leur première perche, qui est plutôt pas mal, mais qui est plutôt classique. Ah oui, donc ça, c'est la deuxième, d'accord. Ils en avaient une autre qui était, voilà, ils en avaient une autre qui est plus longue, d'accord. Non, c'est plutôt celle-là, alors. En fait, je me suis trompé, c'est la première, celle-là, voilà. Celle-là, c'est la noire, c'est la petite, ok, donc 70 cm. Voilà, compact. J'ai pas pris la bonne. 70 cm. Et après, on a celle-là, ici, voilà, qui fait 1,20 m. On compense comme on peut. Ah ouais, ouais, putain. Bah ouais. Ah bah ouais, bah oui, 1,20 m, 70 cm, pas mal. Et j'ai une 3 mètres qui est dans la boîte là en bas, parce que je devais la recevoir. Peut-être je vais vous la déballer, je vous la ferai à la fin. Je viens de recevoir la nouvelle caméra Insta360, elle est là. J'ai reçu là à l'instant. Elle sort septembre, donc je peux pas vous en parler, il y a un embargo dessus. Mais je crois qu'il devait m'envoyer la perche, ça je pourrais vous la déballer. Bon, ensuite, il y a la perche licorne. Alors, la perche licorne, c'est quoi? C'est une toute petite perche comme ça, vous voyez, que vous allez pouvoir mettre sur un support, et après, vous allez pouvoir mettre votre caméra au bout, donc on prend le même principe, hein. On met notre caméra au bout, et tout ici, voilà, tac, tac. Après, là, tu as un support et tout, et elle est en...
fibre de carbone. Donc elle est très résistante et elle est surtout très légère, puisque bah, c'est ce qu'on voit quand j'ai mis par exemple la caméra sur le casque comme ça lors de ma review, c'est que bah, elle est vachement lourde et qu'il y a un peu de ballon et tout. Donc si en plus on rajoute le poids de la caméra. Alors cette perche elle est intéressante parce qu'elle est beaucoup plus fine, elle est fixe, elle est en fibre de carbone et ça claque. On va pas se mentir, voilà, c'est de la fibre de carbone. Donc j'aime beaucoup. J'ai vu qu'ils l'avaient réutilisé. Maintenant, ils ont un mode spécialement pour les vélos. Vous voyez, ils le mettent sur le guidon à l'avant. Donc il y a un support qui clip sur l'avant. Et après, ils mettent la perche devant et la caméra tout centre. Du coup, filme un petit peu celui qui fait du vélo et tout. Le produit est assez intéressant. Il marche plutôt bien et tout. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable? Je sais pas. Est-ce que c'est pas donné? C'est pas donné, 42 balles quand même, extension, voilà, donc ah, t'as le truc, t'as l'extension et tout, bon. Après, c'est un budget, mais c'est vrai que si vous en avez l'utilité, voilà, t'as l'utilité, tu vas t'achètes, c'est tout. Bon, on avait également reçu le bullet train, mais qui regarde trop les films, trop la télé, voilà. Donc là, en fait, c'est une perche, encore une fois, voilà, donc avec un trépied. Trop bien. Et le haut, en fait, tourne. Tu dévises comme ça, et après, vous voyez, le haut tourne. Ce qui permet, par exemple, quand vous avez une caméra comme ça, elle tourne bien. Tu mets la perche, par exemple, tu mets la petite, comme ça. Après, tu mets ta caméra, et tu la fais tourner. Tourne-les. Il y avait une chanson, là. Tourne-les. J'ai complètement oublié, vous mettrez ça en commentaire. Voilà. Ça permet, en mode 360, par exemple, de faire tourner la caméra au-dessus de soi. Encore une fois, après, tu les tires, fais ce que tu veux, tu fais ta vie. Hein. Voilà. De la faire tourner au-dessus de soi, et après, comme avec la caméra 360, tu peux mettre le mode tracking, tu fais tourner la caméra, et après, en 360, tu dis, je veux filmer absolument la personne au centre, et tu as une caméra qui tourne autour de toi. Tourner les chaussettes, tourner les cheveux. C'est tourner quoi? Vas-y, mets-moi ça en commentaire, j'ai oublié. Bon, est-ce que c'est indispensable? Je sais pas. Là, il y a un kit à 55€, et après, il y a le trépied, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, après, moi, il me l'avait envoyé pour faire la démo. Je suis bien content de l'avoir. Et maintenant, j'en mets dans sa boîte. Bon, enfin, il y a celle-là. Alors ça, je sais pas s'il me l'avait envoyé ou si je l'ai acheté, j'en sais rien. Mais celle-là, elle est vraiment bien, parce que vous voyez, il y a un petit trépied au truc. Voilà, donc là, vous pouvez mettre votre support. Et ça fait mode perche. Donc ça veut dire que tu peux avoir un petit modèle comme ça, que tu peux poser sur la table. On va mettre comme ça, tu vois, tu mets bien en haut, hop, tu peux le poser sur la table comme ça, t'as ta perche, hop, hop, tu peux le reprendre comme ça, tu peux prendre un petit peu, tu le plies, tu mets comme ça. Il est vraiment bien, ça existe, alors ça existe chez plein de marques, mais ça coûte relativement cher, hein. Je crois que j'en ai un chez Manfrotto, qui est un peu moins pratique, parce qu'il est un peu plus gros, alors c'est vrai que ça tient un peu mieux, mais encore une fois, comme celui-là, il est petit pour la caméra. Ensuite, il y a le support ici, vous voyez, il y a une espèce de... On peut verrouiller, attends, je vais le faire, voilà, une belle caméra. Caméra Insta360 Link, hein, je filme. Hein. Parce qu'avec l'autre, ça va pas. Hein. On avait un truc pour faire les livres et tout, ça allait pas. Ça allait pas du tout. Ça ne m'arrangeait pas. Voilà. Donc, du coup, voilà. Insta360 Link, pareil, vous trouvez ça sur GLG Review. Là, on se retrouve avec un produit qui est plutôt bien fait. Vous voyez qu'on peut verrouiller ici. Hop, voilà, on verrouille. Tac, voilà. Là, il est verrouillé. Hop, et la caméra. C'est pas mal. Il est pas mal celui-là aussi. Je l'ai retrouvé dans mon bordel en faisant la vidéo. Je l'ai retrouvé et j'étais content. J'ai dit, ah putain, mais c'est trop bien ça. Ça, j'aurais bien acheté. Voilà, mais je l'avais déjà, donc je n'achète pas. Et presque dernier produit. C'est un des derniers produits qui est sorti. Hein. En fait, c'est une perche selfie. Ok, donc là, rien d'exceptionnel. Encore une fois, voilà. Une perche selfie, nanana. Après, tu as le support en haut. Ça, c'est super bien fait pour pouvoir mettre. Mais ils se sont dit, on va aller plus loin. Ils ont mis une batterie. Il y a une batterie intégrée dans le lieu. Alors normalement, je crois que sur les nouvelles, en fait, ça marchait que pour la X2, je crois que pour les nouvelles, avec la mise à jour du logiciel, on peut prendre une photo, mettre en route et changer de mode, voilà, comme ça. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que ta caméra, elle est en haut, par exemple celle-là, là, ça va être la seule qui n'a pas marché, tu vois. Hein, tu la mets ici. Hop, on va mettre du bon côté. Je crois qu'il y a deux, il y a des deux côtés, donc en fait, j'ai dit n'importe quoi. Ah bah non, celle-là, on peut pas la recharger. Voilà, pas celle-là. Oui, celle-là, la prise est dessous. Bon, on va prendre plutôt une autre. J'étais sûr. Bonaldi sort de ce corps. Voilà. Bon, si tu prends n'importe quelle caméra avec son support et tout, voilà, tu la mets dessus et tu recharges là directement. Donc, ça permet d'avoir vraiment une extension, une perche selfie, une extension avec une batterie intégrée et tout, ce qui augmente vachement l'autonomie du délire. Le seul point négatif, monsieur Instagram, j'allais dire c'est bourricot. Non, parce que je peux avoir regardé la vidéo. C'est que c'est collé, ça. Ça, là, au bout, c'est collé. Donc, quand tu le mets sur un support, par exemple, moi, de moto ou de vélo, avec le ballon, il s'est décollé. Voilà, et
Bah, maintenant, Walou, hein, parce que ça doit être collé en usine. Trouver de la colle chinoise faite avec des bébés phoques, là, moi, j'en ai pas. Hein. Donc, c'est pas... Voilà, donc maintenant, ça s'est décollé. Ça tient avec la puissance de Bouddha, donc ça tient de temps en temps. Mais voilà, maintenant, pas aussi bien. Voilà, donc il faudrait que je trouve une autre solution, étant moi un truc qui clipse là pour pouvoir le fixer. Enfin bon, du coup, ça cache un peu le plaisir. Bon, et dans cette boîte, il y a la nouvelle caméra qui sort au mois de septembre. Donc, je peux pas vous en parler, bien évidemment. Mais on peut regarder un peu s'il y a des trucs génériques qui vont pour tout. Alors ça, c'est uniquement pour la nouvelle caméra. Ok. Ça, c'est un papier uniquement pour la nouvelle caméra. Ok, non plus. Ça, c'est protection pour la nouvelle caméra aussi. Oh, pas mal, sympa. Ça aussi. Ah ouais. Plein de trucs. Plein de trucs. Bon, ça, je peux vous faire voir, ça. Ouais, marqué, il n'y a pas marqué. Nouvelle perche 6 mètres, ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est une nouvelle perche... Ok, donc c'est la même que j'ai. C'est ma, c'est ma troisième. Je commence une collection. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est le truc. Ça c'est la nouvelle caméra que je peux pas vous montrer. Waouh! Waouh, putain! Ah ouais! Ah ouais! Je la découvre et en même temps que vous, c'est le cas de le dire. Ah ouais! Ah, pas mal! Ah, pas mal, voilà. Septembre, sur GLG Review. Ils m'ont envoyé un kit moto, parce qu'ils veulent que je fasse une vidéo en moto, et je vais essayer de trouver un mec qui fait du jet ski, des machins comme ça. Bon, donc, allez, pas mal. J'allais pas mal. Je suis... Voilà. Donc là, c'est une nouvelle perche de... 1,5 km. Je vais trouver mon ciseau. Et je sais pas vous, mais moi, dès que je vais marquer ouverture facile, je sais que je vais galérer. Vache ! Plein de trucs. En théorie, elle fait 3 mètres, comme ma personnalité. Alors, attends, là, je mets là, 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 là. Oh la vache. Et encore. Waouh. Là, je sais pas si vous voyez, mais là c'est le plafond. Hein. Waouh. Ah ouais, là, en fibre de carbone et tout. Hein. Regarde ça, regarde. Là, je plie le premier. Voilà. Là, je plie le deuxième étage. Je fais troisième étage. Là, je plie encore un. Encore un, regarde. C'est ouf. C'est ouf, ça vaut combien? Ça doit pas être donné. Accessoire. Bon, écoute, je trouve pas le prix là. Puis j'ai trop de bordel. J'arrive pas à tuer mon clavier et tout. Bon, je te mettrai le prix dans la description. Elle doit pas être donnée. Hein. Bon, après, elle est classe. Hein. Dis donc, pas mal. Voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Dis-moi quel est ton accessoire préféré. Bon, je pense que le micro, pour moi, c'est indispensable. Après, le reste, vertical, tout ça, tout ça. J'espère que tu auras vu un peu le bilan de tout ça. Si t'aimais cette vidéo, tu mets un pouce en l'air. Tu t'abonnes, tout ça, tout ça. Tu mets plein de commentaires. Et si Insta veut m'envoyer d'autres accessoires. Je suis open, fais des petites vidéos sympathiques. Voilà. Allez, merci de passer me voir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe. Un rendez-vous quelques jours. GLG vidéo, je m'y remets tout doucement. Allez, bye bye.